The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience as scheduled, today the chamber is hearing the testimony of TCW 570 questions TCW to be put by counsels for Mr. Kyusampon before the parties of the proceeding, because this witness has been proposed by counsels for Mr. Kyusampon. And during today's sessions, we will conduct the examination as we did yesterday, and time will be equally allocated to parties as we did yesterday. Co-prosecutors and legal lawyers for the civil parties will have half day for questioning time, when the two defense counsels will have the other half. Tout comme la défense. Mr. Sakalwati is now directed to report to the chamber on the current status of the parties to the proceedings today. Faire rapport sur la présence des parties à l'audience. Mr. Sakalwati, good morning, Mr. President, and your honors. During today's sessions, merci, Monsieur le Président. All parties to the proceedings are present. Mr. Nguyen Chia is present in his holding cell depuis la cellule de détention temporaire, as ruled by the chamber due to his health concerns. Witness TCW 570, who is to give testimony today, is at the waiting room, awaiting call by the chamber. The witness has confirmed that the witness is not in a relationship with the co-accused, Mr. Kyusampon and Nguyen Chia, or a civil party in this case. The witness already took the oath on the 23rd of April 2013. The witness has no jury counsel, and there is no reserve witness for today. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. The President, thank you, Ms. Sakalwati, and court officer is now directed to bring in witness TCW 570. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin TCW 570 dans le prétoire. Counsel for Mr. Kyusampon, the main proceed. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Chambre. Et bonjour à l'ensemble des partis. Je tenais simplement à vous informer que nous avons discuté avec la défense de Nguyen Chia, et nous voulions vous informer de la répartition a priori de notre temps. Mes confrères de l'équipe de Nguyen Chia nous ont indiqué qu'ils auraient à peu près besoin de 20 à 30 minutes d'interrogatoire pour ce témoin. Et dans ces conditions, l'objectif que nous nous fixons est donc de terminer ce matin à 11h30. Voilà, que vous sachiez comment nous organisons. That is just so that you can understand how we are intending to organize our time. Thank you, sir. The President. Le président. We would like to make sure we understand your request. Time allocation for today is different from that of yesterday, but it appears to us now through your request that you would like to have time allocated differently from what we understand. Can you please be more precise on this? And
plus précise, so that the chamber is fully informed and so is the public and the parties. Afin que la chambre comprenne bien et les parties aussi ce que vous demandez. Oui, Monsieur le Président, je n'ai vraiment pas de chance. J'ai l'impression que plus j'essaye d'être clair, plus je suis confuse. Donc, comme hier, nous avions pris en fin de journée à peu près une demi-heure pour interroger le témoin appelé par l'équipe Nonchea. De la même façon, aujourd'hui, l'équipe de Nonchea a indiqué qu'ils auraient besoin en fin de journée d'à peu près une demi-heure pour interroger notre témoin. Donc, aujourd'hui, ce matin, l'idée est que nous terminions à 11h30 pour que les coprocureurs puissent commencer à 11h30 et qu'il y ait bien une demi-heure en fin de journée pour que l'équipe de Nonchea puisse interroger le témoin. J'espère que je suis plus claire. Counsels for Mr. Nunchia, would you wish to say a few words on this new way of allocating the time and how you share this time? Good morning, Mr. President. Not really. It's exactly the same as it was operated or conducted yesterday. We might need 20 minutes, 30 minutes at the end of the day. So it's completely in accordance with what the counsel for the Kyrgyzstan party has just said. Avec ce qu'a dit la défense de Kyusam. The President, thank you. We would like to now hand over to, allow witness to be brought into the courtroom. Veuillez faire entrer le témoin. The President. Good morning, Mr. Witness. What's your name, please? Bonjour, Monsieur le Témoin. Comment vous appelez-vous? Response. Good morning, Mr. President, and your honors. Bonjour, Monsieur le Président. I am Ruch Soi. I am from Piem Prachum village, Trai Ambal commune. Sang district of Sang, dans la the President, de thank you, Mr. Rousseau. Do you have other le names, Merci. Or are you Avez-vous called differently, or were you called differently during 1979? Aviez-vous un autre nom pendant la guerre? Response. Mr. President, I have no other name other than Rousseau. Je m'appelle Rousseau. Question, how old are you? Quel âge avez-vous? Response, today réponse. I am 60 years old. Je suis âgé de 60 ans. The President, Mr. Rousseau, for interpreting purposes, you are now instructed to wait a few, observe some pause before you can proceed and wait until you see the red light. Being activated on your mic to respond to questions, because by doing so, it will your message will be properly conveyed through different languages. And indeed, your mic will be automatically activated, and you may observe that sometimes you can see that the red light will be rather delayed before you know after each question, so with that you can assure that your message will be conveyed, and court officer is now directed to assist you by turning this mic a little bit further from you so that you can see the red light easily. And the mic is very sensitive, Mr. Rousseau, so you can be sure that even you sit back like that, you will be heard as long as the red light is on. Question, what do you do for a living, Mr. Rousseau? Response, I am now a rice farmer. Je suis agriculteur, je cultive le riz.
What are your parents' names? Response. I am Ruksoy. My father is Ruh Priyam. My mother is Hum Plok. Et ma mère s'appelle Hum Plok. Question. What's your wife's name and how many children do you have? Question. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? She is Sok Siak. We have six children, four boys, six enfants, quatre garçons et deux filles. The president. Thank you, Mr. Rossoy. According to the report by the greffier of the trial chamber a moment ago, to the best of your knowledge, you are not in a relationship with que vous avez confirmé qu'à votre connaissance, vous n'avez aucun lien co-accused de parenté ou par alliance or a civil party avec in this case. Les accusés ou l'une quelconque des when civiles. We refer to the co-accused, they are Nunchia and Mr. Kyusampan. Is that correct? Kyusampan et Nunchia. Est-ce exact? Response. Réponse. Mr. President, the account that I gave to the chamber is correct, although I don't remember when I gave it. The President, I don't think you understood the question. Actually, what I was asking is that whether the statement that read out by the greffier of the trial chamber that you are not in relationship with the accused or a civil party to this in this case, is that correct? Response. Si vous le confirmez. Yes, it is. I am not in any relationship with the accused or par alliance ou par le sang party. Avec un accusé, avec les accusés ou thank les participants. According to the same report, you already took the oath déjà prêté serment before you were brought into this courtroom. Avant d'entrer dans le prétoire, est-ce exact? Réponse. Yes, it is, Mr. Effectivement. President. The President. Thank you, Mr. Rossoy. Now, the Chamber would like to notify you of your right under Rule 38, right against self-incrimination of witnesses. As a witness, you may object to making any statement that might tend to incriminate you. In other words, you have the right not to incriminate yourself. And as a witness, you shall respond to all questions put by the judges of the bench and parties to the proceedings, except the responses that you feel might tend to incriminate you. And as the witness, you shall only tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. And that vérité, the truth must be based on your experiences and what you bore witness to. Do you understand this? Et de ce dont vous avez été témoin. Comprenez-vous? Réponse. Yes, I do, Mr. President. Tout à fait. The President. Thank Le you. Président. Mr. Rossoy, have you ever given any interviews to the co-investigators of the co-investigating judges? If so, donner une interview aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Did such an interview take place? And when? Et le cas échéant, quand cette interview a-t-elle eu Response, lieu et à quel endroit? Mr. President. Réponse. I do not recall the exact date when Je I gave the interview because of lack of interest in taking notes of the date. However, it is clear that I gave interview to oui, the working group who came to me in 2012, rather in 2002 and 2008. Était entendu par les enquêteurs en 2002 et en 2008. Question. Before you appeared before this chamber, Question. Have you had an opportunity to read your
account or statements or been read to de lire le procès verbal de ces so that you can refresh your memory regarding these accounts? Response: Mr. President, I have reviewed the statements again already. Monsieur le Président, en effet, j'ai consulté les procès-verbaux. According to your best recollection, do you believe that the statements that you have just reviewed reflect what you stated before the co-investigators in those years? Un reflet exact de ce que vous avez dit aux enquêteurs. Yes, Mr. President, I have examined them already. The President, are the statements consistent with the accounts you provided? Mais response, yes, they are. Sont-ils fidèles à ce que vous avez dit aux enquêteurs? Thank you. Next, the chamber would like to hand over to counsel for Mr. Kusumpan to proceed with the questions. You may now proceed. Son interrogatoire. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur Rosoy. Good morning, Mr. Je m'appelle Antalisse, je suis co-avocat international de Kyo Sampan aux côtés de mon confrère Kong Samon. Nous allons commencer par vous poser quelques questions. Je vous rappelle que nous bénéficions des services d'interprètes et je vous demanderai d'avoir la gentillesse de répondre doucement de façon à ce que les personnes qui ne parlent pas khmer puissent bien suivre l'ensemble de vos réponses. Ma première question a trait aux différentes auditions que vous venez d'évoquer avec Monsieur le Président. Vous avez indiqué avoir été entendu à deux reprises par le bureau des enquêteurs des co-juges d'instruction et je voudrais une précision sur ce point. Vous avez évoqué un entretien de 2002 et un autre de 2008. À notre dossier, nous n'avons qu'un seul entretien avec le bureau du juge d'instruction, mais nous avons par contre deux entretiens à vous avec l'association DCCAM. Ma première question est donc, est-ce que vous vous souvenez avoir été entendu par des gens de l'organisation DCCAM? By people from the DCCAM organization. Response. Yes, I can. Actually, as I already mentioned, there were interviews. Comme je l'ai dit, and il y a eu des interviews. I gave interviews to both the researchers and the investigators. Et aussi avec les enquêteurs. Quand vous dites que vous avez eu un entretien avec les chercheurs et avec les enquêteurs, est-ce que je comprends bien que ce sont deux entretiens successifs? Ils n'étaient pas là en même temps. Est-ce que je comprends bien votre déposition? You are not being interviewed by both at the same time. Response: Yes, that's correct. Oui, c'est exact. Vous avez indiqué avoir été interrogé par les enquêteurs du bureau du juge d'instruction le 14 mars, en 2008. Nous avons un procès-verbal de cette audition en date du 14 mars 2008. Est-ce que cette date vous rafraîchit la mémoire sur le moment où vous avez rencontré ces enquêteurs? So would that serve to refresh your memory about the date when you met the investigators? Response.
Yes, it is correct. Effectivement. Et les entretiens avec les chercheurs de DCCAM, est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après avoir rencontré les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Response. Allow me to also make this clear that I gave the interviews to the researchers before I gave another interview to the co-investigators. Avec les chercheurs avant d'être entendu par les enquêteurs. Et est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a eu deux entretiens à deux dates différentes avec ces chercheurs? On two separate dates with those researchers. Response. It is correct. C'est exact. Lors du premier entretien avec ces chercheurs de DCCAM, est-ce que ce sont des chercheurs cambodgiens qui sont venus vous interroger, ou est-ce qu'il y avait un chercheur occidental? To you, or were they foreigners? Response. During the first interview, only a Cambodian person came to me. C'était simplement une personne cambodgienne qui was conducted was conducting research on the survivors of the regime. So I was approached by Cambodian only at that time. Et c'était donc uniquement un Cambodgien. D'accord. Et lors du deuxième entretien, est-ce qu'il y avait une autre personne en dehors d'un chercheur cambodgien? Apart from a Cambodian et est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agissait? And if so, can you remember who it was? Some response. I'm afraid I do not recall this very well. Je m'en souviens pas très as bien. A rice farmer, I could not imagine that I would be called today to appear before comme this chamber. Comme agriculteur, je n'aurais jamais pensé que je serais sommé à comparaître devant la chambre. Non, ce n'est pas bien grave. J'essaye de simplement vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que le nom de Steve Heder vous dit quelque chose? Especially serious. I'm just trying to refresh your memory, Mr. Witness. Does the name Steve Heder mean anything to you? Response. I may say that I cannot remember this very well, because as a rice farmer, I pay more attention on my rice farming than this matter. Plus d'attention à mes cultures qu'à ces questions. C'est pas bien grave, nous y reviendrons. Juste une dernière précision, est-ce que vous vous souvenez, parce que nous avons les transcriptions de ces entretiens, que ces entretiens ont été enregistrés? Remember the fact that these interviews were recorded? Response. Réponse. Alors, c'était peut-être pas clair dans la manière de poser la question. Je vous demandais si vous vous souvenez que ces entretiens ont été enregistrés. Do you recall the fact that these interviews were recorded? Response. Yes, I do. But je m'en souviens. As I said, I didn't pay attention to this detail whether I was recorded or not, but I knew my interview donc was recorded. Je n'ai pas fait attention si on était enregistré, mais je sais que l'interview a été enregistrée. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer un petit peu à votre parcours personnel. Vous venez d'indiquer que vous êtes agriculteur. Ma question est de savoir si vous avez été à l'école et si vous avez appris à lire et à écrire. You went to school and if you learned to read and write.
Response: yes, I did. I went to school to learn how to read and write. By early 1970s, I was at grade 7. I could read and write. Je pouvais lire et écrire. À quel moment êtes-vous rentré dans la révolution et pour quelle raison? When did you join the revolution and can you tell us why you did? Response: I joined the revolution. I joined the resistance movement. Je suis entré dans le mouvement de résistance. 1970. À la fin de l'année 1970. Rather in late 1970, and I would then go back and forth visiting my home. Puis, je faisais des allers-retours. On the 15th of April 1973, I joined the Khmer movement. En avril 1973, je suis entré dans le mouvement Khmer Rouge. Quand vous dites être rentré dans le mouvement de la résistance, ça veut dire que vous étiez dans une autre armée que l'armée Khmer Rouge quand vous êtes rentré en fin 70 dans la révolution? De quelle armée s'agissait-il? Response: I joined the Vietnamese troops because the Vietnamese at that time joined forces to liberate Cambodia. Avaient uni leurs forces pour libérer le Cambodge. Vous dites avoir rejoint les Khmers Rouges en 73. Pourquoi avoir quitté le mouvement vietnamien? Why did you leave the Vietnamese movement? Response: there were some reasons behind this. First, il y avait I thought cela that différentes only raisons. Khmer people would be the best to find, find peace for us. Because I learned from the experience that the Vietnamese troops would withdraw after some time, leaving behind Cambodian soldiers helpless. With that, I was convinced that the only best solution was to join the Khmer troops. Donc, je me suis dit qu'il fallait me rallier aux troupes cambodgiennes. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons à part celles que vous venez d'indiquer? Response: I do not have any other reasons. Non, pas d'autres raisons. Je voudrais, si possible, vous montrer un extrait de votre audition avec DCCAM en date du 19 août 2003. 19th of August 2003. La cote est le 19.158. Et l'ERN en français est le 00 899 429. L'ERN en Khmer est le 00008258 et l'ERN en anglais est le 00710492. Donc, il s'agit de votre premier entretien avec DCCAM et voilà ce que vous avez indiqué à l'époque. And this is what you stated at the time. Oui,
Maître Guissé, une précision, puisque nous en avons besoin. Guissé, we need vous faites référence à un document qui a priori est un document faisant partie des annexes du réquisitoire introductif. Ce que la Chambre veut savoir, c'est s'il y a une demande pour que ce document soit versé au débat. The chamber would like to know whether you have requested that this document be placed before the chamber. Quel était le statut? Est-ce qu'il même il a été mis sur la liste quotidienne de l'interface pour l'interrogatoire de ce jour, et éventuellement quelles sont les observations des parties? For today's hearings. Oui, le document a été placé dans l'interface. Il s'agit des déclarations antérieures. This document is on du the interface. It is témoin dont il vient de rappeler les circonstances, c'est-à-dire un entretien, enfin, deux entretiens, c'était avec des SECAM, et les deux font partie des déclarations antérieures du témoin qui ont été fournies aux parties et placées à l'interface. J'entends bien, mais est-ce que ce document était mentionné dans une liste de documents devant être versés au débat? Indicated on the list est-ce of que la Chambre a été déjà amenée à statuer sur ce document? And was the chamber able to rule on that sujet, document? Ou bien est-ce que c'est un document nouveau au regard de la règle 87.4, est-ce qu'il y a des observations éventuellement des parties ou est-ce qu'il y a un accord des parties pour qu'on puisse utiliser ce document aujourd'hui? Are the parties in agreement that the document franchement, be used c'est today? Une colle. Je ne sais pas si ce quite document figurait sur les listes, mais s'agissant des déclarations antérieures du témoin, je pensais qu'il n'y a pas de difficulté, mais je laisse les parties s'exprimer là-dessus s'il y a une difficulté. But I will allow the parties to make submissions on that subject, if need be. The President, co-procureur, you may proceed. La parole est au co-procureur. Le co-procureur. Thank you, Mr. President. Yes, indeed, we agree that the document was placed on the interface, both, in fact, both by the defense and by us. Unfortunately, I don't have access to the network at the moment, but I'm quite certain this document was on our Rule 80 document list as part of Annex 12. Dans notre I don't believe it was put forward by the defense, but I believe it was put forward by us. De la règle 80, Annex 12, je pense que c'est nous qui avons déposé ça. Ce document était déposé aussi dans un document Annex 12 révisé qui a été déposé il y a à peine deux semaines environ. Voilà les explications. The President. Thank you. Le Président. Merci. La parole est au co-avocat principal pour les parties civiles. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. Si President. Le document figure sur une liste, il n'y a bien sûr aucune difficulté. En revanche, nous souhaiterions, pour des raisons d'équité, que les règles soient appliquées, surtout les décisions de la Chambre. Dans le cas où ce document ne serait sur aucune liste, mais je pense effectivement qu'il doit être sur la liste des procureurs, en tout cas. Je l'espère. Oui, Monsieur le Président, on me confirme du côté de mon équipe que la liste figure, que ce document figure effectivement sur la liste du coprocureur. Et je suis désolée de ne pas avoir pu vous donner l'information plus rapidement. Monsieur le Président, est-ce que je suis autorisé à poursuivre? Mr. President, may I proceed? The President, le Président, you may proceed with the question. Donc, normalement, Monsieur le témoin, l'extrait de cette déclaration devrait être affiché sur l'écran. J'ai déjà indiqué les ERN. I have already given the ERN. Voilà ce que vous avez indiqué lors de cet entretien de 2003 avec des SECAM. J'ai rejoint l'armée vietnamienne qui combattait le long du fleuve de Basak. Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir l'autorisation d'afficher ce document de façon à ce que le témoin et éventuellement le public puissent le voir?
place this document on the screen so that the witness and possibly the public may be able to view it. The President, we just do as what we have done. The document is displayed on the screen, but if the witness says that he has not seen the document, à l'écran, mais si le témoin affirme ne l'avoir jamais vu, ce document sera retiré. But before it is placed on the avant screen, que le document ne soit affiché à l'écran, vous devriez présenter ce document au témoin pour vérifier si celui-ci a déjà vu le document en question. But if the witness says that s'il he has not seen that document, ne l'avoir jamais the document vu, has to be withdrawn. Le document devra être retiré. D'accord, c'était simplement pour faciliter les choses, mais je peux me contenter de lire le document puisque le principe est que c'est une transcription d'une audio. Donc je suis quasiment sûr, mais je peux poser la question au témoin qu'il n'a jamais vu le document. La question, c'était de pouvoir lui rafraîchir la mémoire avec le contenu de la transcription de cet audio, de l'entretien qu'il a donné à DCK. Monsieur le témoin, est-ce que vous l'avez confirmé tout à l'heure, vous avez été enregistré lors de votre entretien avec DCCAM? Et la question est, est-ce que vous avez un jour vu la transcription de cet audio? You have ever seen the transcript of this audio recording? I cannot remember all the points as je I ne have souviens said, pas de tout, comme je l'ai dit. Because I focus only on my living condition, je on me concentre earning sur mes conditions de vie, je cherche à gagner ma vie. And of course I have given interviews, but bien I sûr, cannot remember j'ai accordé the details. Des entretiens, mais je ne me souviens pas de tous les détails. J'en conclus que vous n'avez pas vu la transcription, mais ma question est de savoir, est-ce que si je vous lis... Enfin, je vais vous lire l'extrait de cette transcription et vous allez me dire si ça vous rafraîchit la mémoire. Il est évident, et dans cette salle, tout le monde peut comprendre que vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les détails. L'idée, c'est de pouvoir vous rafraîchir la mémoire. Donc voilà ce que nous avons dans la transcription de cet entretien avec DCCAM de 2003. Vous avez répondu à la chercheuse qui vous interrogeait. J'ai rejoint l'armée vietnamienne qui combattait le long du fleuve de Basak, mais j'ai décidé de quitter leur unité quand ils ont commencé à me maltraiter. Ma question est la suivante. Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs sur les raisons qui ont pu aussi contribuer à votre départ de l'armée vietnamienne avant de rejoindre l'armée Khmer Rouge? Je me souviens de certaines choses, notamment de ce que j'ai dit quant à ma décision de quitter les troupes vietnamiennes. J'ai en effet été maltraité par les troupes vietnamiennes. Je n'ai pas donné de détails sur ces motifs. La raison principale était donc celle-ci. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un autre point. Vous avez indiqué que vous avez rejoint en 73 les Khmer Rouges. Quel a été votre rôle de 73 à avril 75 au sein de cette armée? What role did you play within that army? Le 15 avril 73, après avoir quitté les troupes vietnamiennes, j'ai recherché les forces Khmer. So at the time I did not have Khmer. Clear destination. I did not know where to je go. Je ne savais pas exactement où j'allais à ce moment-là. Ensuite, je suis allé au village de Svaytche. And I met a unit j'ai rencontré over there.
une unité là-bas. And I joined that unit. J'ai rejoint cette unité. First objective was to become Mon premier objectif a combatant. Était de devenir combattant. Later on, after I stayed there for long, j'y suis resté longtemps. I was assigned to be in Par the economic section. On m'a affecté à la section And économique. I became a chief. Je suis devenu chef. So, this is what happened from 1973 voililà ce qui s'est produit to 1975 when I was in the economics unit. Époque où j'étais dans l'unité économique. I was a group chief. Au sein de laquelle j'étais chef And de groupe. And the members or my subordinates. The number of my subordinates was not regular. Sometimes Le nombre de there were up to 50 members. Variait. Parfois, il y avait jusqu'à 15 membres. So those members came from defrocked monks, for example. Notamment des moines défroqués. So those forces were sent to my unit. Ces forces étaient They were educated, à mon but unité. Of course. Elles They were not forced. Rééduquées, mais bien entendu, il n'y avait aucune contrainte. And after they got training, they were sent to the battlefield. Après la formation, so the number ces gens of étaient envoyés sur le champ de bataille. The forces in my unit was not de mon stable, unité, in fact. Le nombre de membres variait. Excusez-moi, monsieur le témoin, de vous interrompre. Pardon me, je vous remercie de votre réponse you. Détaillée. J'essaye de faire answer. Des questions courtes parce que nous sommes tenus par le temps et je vous remercie d'essayer de faire des réponses courtes aussi. Le cas échéant, si j'ai besoin de plus de précisions, je vous poserai des questions supplémentaires. Mais je vous remercie de votre réponse. Ma question suivante est de savoir, à partir d'avril 1975, après la victoire des Khmers Rouges, où vous avez été affecté et à quel poste? Ah, excusez-moi, une précision sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de la section économique au sein de l'armée Khmer Rouge. Concrètement, que faisait votre section? De quoi était-elle chargée? In concrete terms, what were the duties of your section? What were its responsibilities? Response. You asked me the period before I went into Phnom Penh or after I went into Phnom Penh. Sur la période antérieure à mon arrivée à Phnom Penh ou sur la période ultérieure? Sur la période antérieure, monsieur le témoin, vous m'avez indiqué que vous faisiez partie de la section économique et pour nous, ce n'est pas très clair. Concrètement, qu'est-ce que vous faisiez? Can you tell us in concrete terms what exactly were your duties or the duties of that economic section? Som jomreb chun tha kraoy pi ke ban chat khnyom aoy teu khang tatul khang I was assigned to be in charge of economics. I was Après not the. Qu'on m'a nommé responsable I was not overall in charge of the whole unit. La section économique. But I was in charge en of a small unit. Je n'étais responsable I was in charge of que d'une petite unité. Food supply for the J'étais army. Chargé du ravitaillement but de l'armée. Of course there were en nourriture. My superior as well. Mais but bien sûr, I j'avais am, des supérieurs. I was responsible for Quant collecting à moi, food. J'étais responsable And the food de would be sent to the recueillir front line, de la to nourriture, the battlefield. Laquelle devait être envoyée sur le front, sur le champ de bataille. Je vous remercie de ces précisions. Thank you for this donc, j'en viens maintenant à la période à partir d'avril 1975. Quelle a été votre affectation après la victoire et où? What were your assignments after the victory and where were you assigned? Bà, xong, ở quân bành hà ní, nhóm xong bổng phư chun tha, kroi pi bạch Phnom Penh hai. After the collapse of Phnom Penh on the 17th of April, Après la chute de Phnom Penh my economics avril, unit mon unité de was l'économie allowed to go into Phnom Penh, a été autorisée à entrer dans la ville de Phnom Penh. A new unit Ensuite, was created, une nouvelle and I became unité a été constituée, the chief of dont a 50 je suis member unit. Devenu
chef. J'étais chef d'une unité de 15 membres. So in my unit, at the beginning, au début, there was an office called mon office unité comportait 311. Un bureau qui s'appelait le bureau 311. My unit was assigned to stay at Kampong Takor warehouse in front of Satmei. En face du Satmei, à l'entrepôt de Kampong Takor. Et quel était ce travail au sein de l'entrepôt? And what did you do? What work did you carry out? Response. When I was staying east of Satmei, alors que j'étais à l'est I did not du Satmei, responsibility or the work of my unit at all. Je n'étais pas responsable du travail de mon unité. Combien de temps avez-vous travaillé dans ce premier entrepôt? For how long did you work at that first warehouse? Nhom som respond rip rop to tam lomdap lomdoy ma to describe what happened over Laissez-moi there. Laissez-moi vous expliquer. So after I stay over there at the beginning, I did not know début, about the work of my unit. But later on, je ne savais pas ce que devait faire mon unité. My unit was in charge. Mais par la suite, j'ai appris que mon unité warehouse. Était chargée d'un entrepôt. At the time, there were two regiments. Il y avait à l'époque deux régiments. Sorry, there were two companies. Ou plutôt deux compagnies. And my unit was in charge of a warehouse. Mon and unité était I was chargée still the chief of a 50-member unit. D'un entrepôt. J'étais chef d'une unité de 15 membres. And later on, another 50-member unit was created. Une autre unité de 15 membres a été créée. So that we could manage, or we could manage the list of the people over there, the list of the inventory in the warehouse. Les inventaires de l'entrepôt. And later on, I became par la suite, in charge of the warehouse. On m'a nommé responsable de l'entrepôt. D'accord, donc j'ai bien compris que votre unité well. Était chargée de l'administration de l'entrepôt. Et ma question était de savoir combien de temps vous êtes resté dans cet entrepôt-là en question, à côté de Sarchas. Response. Rectification de l'interprète, il s'agissait de 50 membres et non pas de 15 membres. I worked over there from 1975 J'y ai until 1970. De 75 Six. À 76. Ensuite, kilo, on m'a transféré kilometer number six. Au kilomètre 6. I was over there in late 1976. Ça, c'était fin 76. Et au kilomètre 6, s'agissait-il également d'un entrepôt? And was kilometer 6 also the site of another warehouse? Yes, it was also a warehouse. Oui, it c'était is également a branch un entrepôt. Of the warehouse c'était unit, there was a branch in kilometer un number 6, du kilomètre another branch 6. At Trojongwa. Il y avait un établissement là-bas et un autre établissement à Trojongwa, ainsi qu'un autre à Kampong Takor. Quand vous dites établissement, vous voulez dire que il y avait quatre when entrepôts en tout, en fonction de ce que vous venez de nous citer. Do you mean that there were four warehouses in all, from what you have just stated? Som chumrieb da tha khleang muat tonle nang kue mien khleang Kampong Takor. The warehouse along the river. L'entrepôt. It was located. Qui était au bord de la rivière. Of Wat Phnom and another branch en face du was Wat Phnom. In Trojongwa and the other one was in kilometer number 6. Puis encore un autre au kilomètre 6. D'accord, et vous avez indiqué être arrivé donc well. À l'entrepôt du kilomètre 6 en 76. Y êtes-vous resté jusque en janvier 79, jusqu'à l'attaque vietnamienne? Six warehouse. Did you stay there
up until the Vietnamese attack? Yes, after the fall of Phnom Penh, oui, après la chute I de Phnom Penh, moved out of that warehouse. J'ai quitté cet entrepôt. Est-ce qu'il y avait un entrepôt au kilomètre 9? Was there a warehouse at kilometer 9? Kilometer 9. I did not know about that. Je n'en savais rien. I knew only about the warehouse unit. Je connaissais uniquement l'unité des entrepôts. Donc, si je comprends bien, entre 75 et 79, vous n'avez travaillé qu'au sein de deux entrepôts. C'est bien ça? You only worked at two warehouses. Is that correct? But respond. Effectivement. Yes, it is correct. J'en venir plus précisément à votre travail au sein de ces entrepôts, mais au préalable, je voudrais voir avec vous quels étaient à l'époque, c'est-à-dire entre 75, avril 75 et janvier 79, quelles étaient vos connaissances des organes du PCK et des dirigeants du Kampuchea démocratique. Première question, est-ce que vous savez ce qu'était le comité permanent du PCK? Do you know what was the permanent committee of the CPK, the standing committee of the CPK? Response. Regarding your question, regarding the standing committee. Concernant cette question, I do not know much about that because that à savoir le comité permanent, was the work of the je ne sais pas grand-chose. Nothing about à ce sujet, cela concernait l'échelon supérieur et je n'en savais rien. Et est-ce la même chose pour le comité central du PCK? Is that the same? Does the same apply to the central committee of the PCK? Response. Did not know about the central committee of the CPK. Je ne connaissais pas le comité central du PCK. I knew only that Pol Pot. Je savais juste Pol Pot was announced as the que secretary Pol Pot of the CPK. Était le secrétaire du PCK d'après ce qui avait été annoncé. The prime minister of the Democratic Cambodia. C'était le premier ministre du Kampuchea démocratique. Je vous remercie. Est-ce que vous connaissez les bureaux K1 et K3? Do you know offices K1 and K3? At khom at da skoal le mantri nang hai ko mon thlop lue so dae ba. I did not know those offices and I have never heard of those offices. Je ne connaissais pas ces bureaux, je n'en ai jamais entendu parler. Connaissez-vous le bureau 870? Do you know office 870? Khom mon dai skoal le kran ban lue so tha chmuh 807. No. Kran I did not know that office but I have heard. Je ne connaissais pas ce bureau. The name of that office, office 870. J'avais entendu parler de ce bureau 870. Est-ce que vous savez qui est à la tête de ce bureau 870? Do you know who headed that office 870? Pele khom mon ban dang dei ba. At that time I did not know about that. À l'époque, je n'en savais rien. Et savez-vous quelles étaient les fonctions de ce bureau? And do you know what were the functions of that office? Respond, no, I did not know. Non. Entre 75 et 79, avez-vous jamais travaillé avec le centre de sécurité S21? Did you ever work with S21 Security Center?
Khom man dal phu ka chmuoy mntri sansok. I never worked with the S21 security center. Je n'ai jamais travaillé avec le centre de sécurité de security center at all. 21. Je n'en connaissais absolument pas l'existence. Est-ce que vous avez travaillé au sein du comité du commerce entre 75 et 79? Did you work at the commerce committee or in the commerce committee between 1975 and 1979? I never worked with the commerce. Je n'ai jamais travaillé avec le commerce. Et avez-vous jamais travaillé avec le comité de l'industrie? Did you ever work with the industrial committee? ចំពោះបញ្ហាខាងឧស្សាហកម្មនេះខ្ញុំ regarding the industry. Pour ce qui est de l'industrie, I used to only transport tout ce que je products faisais from factory and those products des produits were stored in the warehouse depuis les and that's usines all. Ces produits étaient entreposés et c'est tout. Je vous remercie de ces précisions. Je vais revenir un peu plus Thank en détail sur votre travail quotidien au sein de l'entrepôt, mais au préalable, je voudrais vous poser des questions sur des personnalités du Kampuchea démocratique, des gens qui ont travaillé au sein du régime, savoir si vous les connaissez. Est-ce que vous connaissez un certain Sakim Lumut? Response: No, I don't know him. Non, je ne le connais pas. Vous avez indiqué que vous saviez que Pol Pot était le secrétaire du PCK. Est-ce que vous avez travaillé directement avec lui? Did you work directly with him? Response: No, I didn't. Non. Nor had I ever even spoken to him in person. Et je ne lui ai jamais parlé en personne. Est-ce que vous connaissez un certain Pang? Did you know somebody called Pang? Response. Yes, I did, oui. But I had heard of him. I never met him J'ai in person. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc quand vous dites que vous le connaissez, vous voulez dire que vous le connaissez de nom, c'est bien so ça? So when you say you knew him, what you mean is you knew him by name, is that correct? Response, yes it is. I had oui. heard of his name. J'ai entendu son nom. Savez-vous quelles étaient ses fonctions? Do you know what his job was? No, I didn't. I had heard only non. of him. That's all. J'ai simplement entendu parler de lui. Est-ce que vous connaissez un dénommé Dunn? What about somebody called Dunn? Did you know him? Response. No, I didn't. Non. On m'indique que c'est peut-être à cause de ma prononciation, donc je vais essayer. Pour les interprètes, ça s'écrit D-O-E-U-N. Donc Dune, Dunn, je suis désolée. So peut-être pouvez-vous m'aider pour Dung, que Dung. Ça aide le témoin. I could be assisted so the witness can understand who it is I'm talking about. Response: I knew the name you pronounced, but the name was there, but I didn't know him. Je connaissais ce nom, mais je ne le connaissais pas lui. L'avez-vous jamais rencontré? Did you never meet him?
Même de loin, sans lui avoir parlé, est-ce que vous l'avez déjà vu en personne? As I already said in my interviews, comme je l'ai déjà dit, sometimes I saw people who would come to the warehouses, qui venaient à l'entrepôt, but I did not pay great attention to knowing their names, je n'ai pas cherché à connaître because leur nom. I had to fulfill my duty, and I did not even rush to see who would be coming to the warehouses. It was not of my great interest. À l'entrepôt, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point. I might come back to au préalable, point je voudrais time, savoir first, quels étaient vos supérieurs directs à l'entrepôt. To ask you who your direct supervisors were in the warehouse. Response. At the warehouses in Kampong Tekor, Chrui Chongwa, another location, these warehouses are supervised by a person by the name of Rung. C'est Rung qui avait la supervision de ces entrepôts. Il y avait aussi d'autres personnes dont que je ne connais pas. Est-ce que le nom de Teng vous dit quelque chose? What about the name Teng? T-U-N-G, à l'attention des interprètes. T-U-N-G, does that ring a bell with you? Som jemreb chmua Teng hiom skwal ba. Response, yes, it does. Oui. Et qui était-il? And who was he? Response, Teng was Mr. Rung's Teng deputy. Était l'adjoint de Rung. Est-ce que vous connaissez une personne du nom de Von Wett? Did you know somebody called Von Wett? Response. I had heard of him. I never met him in person. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous avez travaillé avec lui ou son bureau dans le cadre de votre travail à l'entrepôt? As part of your warehouse job? Response. No, I didn't. No. I did not have any work relation with him. Je n'avais aucun rapport de travail avec lui. Connaissez-vous Van Riet? Did you know Van Riet? Response. Yes, I do. Oui. Very well. Oui, je le connaissais bien. Quel était son poste entre 75 et 79, What si vous le savez? What was his position between 1975 and 1979, if you know? Response. I did not engage in any appointments or recruitments setting, but I knew that Mr. Van Riet was in charge of commerce. Van Riet était responsable du commerce. Avez-vous jamais travaillé directement avec lui? Did you ever work directly with him? Response. No, I didn't work directly with him. Je n'ai pas travaillé directement avec lui. Et connaissez-vous Koytoon? Did you know Koytoon? Response. Som jemreb lok
I had heard of him. I never met him. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je vous remercie de ces précisions. Thank you very much for those details. Vous m'avez parlé de Rung comme responsable des entrepôts d'État. Est-ce que vous savez quel était son supérieur ou quelle était la structure au-dessus des entrepôts d'État? For the state warehouses, and who was his superior? Et savez-vous quelle est la structure qui était au-dessus des entrepôts? You know what the governing structure above the warehouses was like? Response. I only knew that when commodities or goods had to be distributed to sectors, I learned that documents were sent from K25 requesting for goods to be distributed to various locations. These were the letters I knew that were sent from that office, and I do not know who would be overly in charge of these houses or above. Général des entrepôts et qui était au-dessus. De qui receviez-vous vos consignes dans le cadre Who de votre travail? Gave you your orders in your work? When it comes to orders, I received them from Mr. Rung. J'ai reçu les ordres For example, upon having received the documents regarding the distribution of goods to different places, Par exemple, then I would need to upload the goods onto the trucks before they could be transported to respective destinations. Pour qu'ils puissent être acheminés à leur destination respective. Est-ce que vous connaissez un dénommé Chun? C-H-U-O-N pour les interprètes. Do you know anybody called Chun? C-H-U-O-N. Response. Could you please repeat that question? Pourriez-vous répéter la question, je vous prie? Est-ce que vous connaissez un dénommé Chun? C-H-U-O-N. C-H-U-O-N. Response. Yes, I know this person. Je connais Chun. Qui était-il et quelles étaient ses fonctions? Who was he and what were his duties? Response. Mr. Chun was the third person in the warehouse committee, because this committee comprised of three people. Mr. Rung was the head, and another person, and Mr. Chun was a member in the committee. Est-ce que l'autre personne est le Tang dont nous avons parlé tout à l'heure? Was the other person the Tang person that we mentioned a moment ago? Response. Yes, it is correct. C'est exact. It was Tang who was Mr. Rung's deputy. So, in other words, in that committee, there were three people, Rung as the head, Tang his deputy, and Chun
his member. Teng, son adjoint, et Chun, le membre. Je vous remercie de cette précision. Thank you for those details. Est-ce que vous connaissez le bureau K7? Vous m'avez parlé du bureau K25. Est-ce que vous connaissez K7, le bureau K7? You mentioned K25, but did you know about K7? Response. No, I don't know anything about K7. Je ne sais rien de K7. Une question supplémentaire en dehors de votre travail à l'entrepôt, est-ce que vous aviez une autre activité ou une autre responsabilité? Did you have other responsibilities or duties? Response. No, I didn't. I had no other duties other than those in the warehouse. Je n'avais pas d'autres responsabilités à part celles que j'avais aux entrepôts. Et à l'entrepôt, est-ce que vos fonctions se limitaient à vous occuper des chargements et des livraisons des produits? Ou y avait-il d'autres activités? Receiving and delivering produce, or were there other activities as well? Personally, I was tasked with the warehouse's duties at Kampong Tekor. I was tasked with transporting materials to be stored in the warehouses. And at the same time, I had to receive orders or instructions from superiors before the rice, for example, and other items could be requested and transported to the requesters or have them stored in the warehouse. Que le riz et d'autres denrées puissent être envoyées à ceux qui les avaient demandées ou and by the end of each month, I would have to file a report detailing all the items or materials that had been transported to different destinations. Denrées, équipements qui étaient envoyés à différents endroits. The person I reported to. Était la personne à qui je rendais compte. D'accord. Thank you. Je voudrais une précision sur le matériel, les produits qui étaient stockés dans ces entrepôts. Vous avez parlé de riz. Quels autres produits étaient stockés dans ces entrepôts? What other kinds of products were stored in these warehouses? Response. In the warehouses, in particular in the warehouse in Kampong Tekor, there were things like materials transported from a foreign country, including hose, fabrics, steels, and screws, etc. For the warehouse at kilo number 6, there were materials transported or produce transported from the bases, including rubber, resin, salt, il y avait du sel, de la résine, rice, du riz, etc. Et du caoutchouc qui avait été envoyé depuis les bases. À qui étaient destinés ces produits, si What vous le savez? The destination of these products? Response. As I already testified earlier on, after these products or produce were stored in the warehouses, there would be requests for the products
or produce to be transported or distributed to other locations. Now, I'll give you an example. One particular zone may request for some cement, demander du ciment that was stored in the warehouse or pairs of shoes or garments. Then we had to entertain the request et donc nous devions nous through sur cette demande Mr. Rung. Avec Rune. Mr. Rung would then render the request to his subordinates and I faire would la be one of them to à ses subordonnés. Ensure je that these je things would be then transported to the requesters. Ces biens étaient acheminés aux ceux qui les avaient demandés. Et comment se faisaient les demandes de la part des zones ? Sous quelle forme ? The zones make their requests? In what particular shape or form? I do not know how such a request could have been made. I only noted that documents were sent out from K25. And I was instructed by Mr. Rung to proceed with the inventory, for example, the list of items to be sent out to the requester, and I was busy entertaining the requester to know what could have been the method of instruction rendered from the zone. Considérer la façon dont les messages étaient envoyés depuis la zone, l'interprète n'est pas certain de ce que cela veut dire. Nous avons un problème d'interprétation. Je comprends de la manière dont vous procédiez et que vous receviez vos instructions de Rung, qui lui-même avait reçu des documents de K25. Est-ce bien exact? You received instructions from Rung, who himself received instructions from K25. Have I got it right? But response. That is correct. C'est exact. Savez-vous comment était obtenu le matériel qui ensuite était redistribué dans les bases? Vous avez évoqué des produits de l'étranger. Est-ce que vous vous souvenez de quel pays venaient quels produits? Do you know what particular countries these products came from? Response. I don't know where they could have been transported from. Je ne sais pas d'où ils pouvaient venir. The only thing I know is that whenever these materials were transported from abroad, then we had to unload them from the train. Il fallait I don't know where or which country these items were sent from. Mais je ne sais pas d'où venaient ces équipements et ces biens. Vous avez parler de produits étrangers, est-ce qu'il y avait des produits cambodgiens, Khmer, qui étaient destinés à l'exportation dans les entrepôts dans lesquels vous travaillez? Products within the warehouses where you work that were destined for export. Response. In the warehouses, we exported only dans les entrepôts rubber and rice. These que du caoutchouc produce would be transported through train. Et ces exportations étaient acheminées par train. Dans les entrepôts où il y avait le riz, in the warehouses where est-ce que le riz était stored, uniquement destiné à l'exportation ou était-il également export, destiné à l'intérieur du Kampuchea? Also for consumption within Kampuchea. Some response. The rice and the unhusked rice that was stored in the warehouse. First, they had to be transported from sectors and zones.
And we learned that at that time we had to transport the rice for the state. That was part of the slogan. I know for sure that the rice had to be transported and stored in the warehouses. Ce riz est le stocké dans les entrepôts. And I don't know whether the rice was destined for local consumption si or not, but I knew that rubber and rice were requested to be exported to foreign countries. I just don't know which country they would be transported because upon receiving the request, we would then employ some workers or porters to load these rubber or rice onto the wagons of the freight de mettre train. Ces biens dans les wagons du train. And that's all I know. I don't know which country these produce would be transported je ne sais pas to. Où cela a été envoyé. Dans le cadre de votre travail, avez-vous déjà préparé des produits, préparé notamment du riz pour l'envoyer dans les zones? Such as rice during your work, so as to ship it out to the zones. សូមជម្រាបដែរថាសម្រាប់ស្រូវអង្ករនេះគឺ rice was not supposed to be redistributed to the zones or sectors, but the other way around. Distribuer le riz vers les zones et les secteurs, c'était l'inverse. Because we had to transport the rice only to the warehouses before they could be exported to a foreign country. And they waited to redistribute this rice to the foreign country, and to be precisely clear, it is rice would never be redistributed to the zones or sectors, but the other way around. Dans les zones et les secteurs, c'était plutôt les zones et les secteurs qui contribuaient le riz. Je voudrais à nouveau essayer de vous rafraîchir la mémoire. Let me puisque vous avez évoqué cette question du riz lors de l'entretien avec les chercheurs de DCCAM, toujours l'entretien de 2003 dont on a parlé tout à l'heure. Et je voudrais voir avec vous un passage, vous citer un passage de ce que vous avez indiqué lors de cet entretien. Donc c'est toujours le document 19.158. C'est l'URN en français 00899492. L'URN en Khmer 0000. Donc 4x0. 8293 8293 et ça se poursuit sur la page suivante and over the et page en anglais and in English, 007 10521. Le chercheur qui vous pose des questions vous parle, vous a précédemment parlé des exportations et des importations de riz. Et ça commence un petit peu sur la page suivante, précédente d'ailleurs en français, c'est-à-dire 00899461. Et la question que l'on vous pose est, selon vous, l'essentiel du riz était-il exporté ou était-il distribué dans le pays? Et voilà ce que vous avez répondu. On exportait moins de riz qu'on en distribuait. Et ça se poursuit sur la page dont j'ai donné les URN. La question qui vous est posée est celle-ci. On en exportait moins? Et voilà ce que vous répondez. Le volume des exportations de riz était inférieur à celui du riz destiné à être distribué dans le pays. Est-ce que, monsieur,
cela vous rafraîchit la mémoire sur comment pouvaient se passer les choses dans les entrepôts d'État et dans la distribution du riz. State warehouses for rice distribution. Some response. When I gave interview to the researcher, perhaps my message was not properly received. Today I'm telling the truth. And again, I think he misconveyed my message because at that time, le chercheur s'est fourvoyé. I said that when I said less car quand j'ai dit rice exported, I was referring to quand j'ai dit qu'il y avait moins de riz qui était exporté, je faisais ces références that was distributed for the local consumption, au riz distribué pour la consommation locale. I was talking about the rice. Indeed, unhusked rice was not exported in a large amount. Unhusked rice would be used for local consumption when the husked rice would be then exported in a great amount. Et servait la consommation locale alors que l'on exportait du riz non décortiqué en grande quantité. D'accord, donc en fait c'est simplement le... Very well. Les deux sortes de riz pour lesquelles vous faites une différence, mais il y avait bien du riz qui était destiné à la population locale et aux besoins locaux. C'est bien ce que je dois comprendre de votre réponse. Am I right in understanding that from your answer? Response. Allow me to clarify on this. Une précision. So far, no meal rice was ever distributed to the people in the local in Cambodia, but they were it was destined for exporting. Il était destiné However, à l'exportation. When time passed, rice production decreased. That's why export also du riz decreased. A été réduite et donc les exportations. Lorsque la production du riz a diminué, les exportations ont diminué. C'est bien ce que je dois comprendre de votre réponse. Exports also dropped. Is that what you are saying? Response, yes, it is correct. Effectivement. Je voudrais maintenant venir plus précisément à M. Kyo Sampan. Est-ce que vous le connaissiez à l'époque, entre 75 et 79? Did you know him at the time between 1975 and 1979? Somme j'aimerais... លោក មេធាវី គឺ ខ្ញុំ បាទ ស្គាល់ គាត់ I knew him តែ ការ ស្គាល់ je le connaissais but of course, I was not close to him mais bien entendu je n'étais pas proche de lui only. Je l'ai seulement vu. Je vais revenir plus précisément à l'occasion ou aux occasions au cours desquelles vous l'auriez vu, mais au préalable savez-vous quel poste il occupait au sein du Kampuchea démocratique. Do you know the post he occupied in the Democratic Kampuchea regime? Som jamreb chun lok da tha kal pi chnam 70 rohot dot chnam 73 to 1975 de 70 à 75 je ne l'ai jamais vu. However, after some that toutefois appeal to the people to struggle, to rise Samdek up, to struggle, to liberate the nation, la population à se soulever then, pour libérer le pays,
I only knew that Hu Yun, Hu Nim, and Khieu Samphan were the leaders of the movement. Hu Yun, Hu Nim et Khieu Samphan étaient les chefs du mouvement. In 1975, par la suite, en 1975, from 1975 until the announcement of the Prime Minister, et jusqu'à l'annonce du Premier ministre, was not the top leader or j'ai the compris leader. Que Khieu Samphan n'était pas un haut dirigeant. Comment avez-vous compris qu'il n'était pas un haut dirigeant? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? How did you know that he was not a senior official? What makes you think so? Response. Civilian or soldier believe that the three les civils people et les soldats pensaient que ces trois personnes étaient however, les dirigeants suprêmes. When Prime Minister was toutefois, declared or was announced, quand on a annoncé qui était le Premier ministre, on a compris que lui n'était absolument pas le dirigeant suprême. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont fait comprendre qu'il n'était pas le dirigeant suprême, are comme vous dites? Other reasons that made you to think or to understand that he was not a senior official? Si je le savais, with the senior leaders, but in each unit, ce n'est pas à cause de réunions auxquelles j'aurais pu participer. Other, au sein de chaque unité, nous nous réunissions entre collègues, nous leader discutions, the most senior leader or the top leader. Et nous savions qui étaient les hauts dirigeants et les dirigeants suprêmes. Did not know clearly about his rank. Mais je ne connaissais pas exactement son rang. Je reprends ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez vu entre 75 let et 79? Let me repeat the question I put to you a while ago. Did you see him before between 1975 and 1979? I used to see him but I could not remember. I cannot remember the date. Je l'ai vu, as you know, at mais the time, je ne me souviens pas des dates. We do not know whether, à l'époque, at the time, we do not know whether this is Monday, nous ne savions Saturday, pas si on Sunday, était lundi, mardi, no. etc. Because we focus only on our work, we were afraid of making mistakes. Notre travail nous absorbait entièrement, nous avions peur de commettre des fautes. Et où l'avez-vous vu, Monsieur Khieu Samphan? Where did you see Mr. Khieu Samphan? When he called me to attend study je sessions. L'ai vu so quand at the time il m'a I saw convoqué him. À une session d'études. Je vais y revenir, mais l'avez-vous vu à un autre moment? I will revisit that point, but did you see him on any other occasion? Response, no. Non. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire avec I would like to refresh your memory. Votre déclaration tout d'abord devant with les juges d'instruction. Statement une question d'abord. Vous avez parlé judges. Tout à l'heure de visite let me ask de personnes one question before that. You talked about sur votre lieu de travail à l'entrepôt. Est-ce que vous vous souvenez que M. Khieu Samphan serait venu visiter to your votre entrepôt? Warehouse. Do you recall a time when Mr. Khieu Samphan came to visit your warehouse? សូមជម្រាបជូនដែរថាកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ឃើញគាត់មកក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា I used to see him visit the warehouse. Bien sûr, je l'ai vu visiter l'entrepôt, mais je ne me suis pas approché de lui. Je savais seulement qu'il venait visiter l'entrepôt.
Je voudrais vous rafraîchir la mémoire sur les circonstances Let me refresh your memory de cette visite regarding the circumstances dans votre of that visit. Déclaration devant In your les co-juges d'instruction. Est-ce que l'on peut remettre un exemplaire judges? De cette déclaration And qui est by the way, may I request E3/469 The President, you may proceed. Le Président, vous y êtes autorisé. The President, Council, it is now time for adjournment. Le Président continue. Le moment est venu d'observer une pause. L'audience reprendra à 11h. Initiez l'audience. Veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 11h. Suspension de l'audience.